chouette ce paysage. Je vous propose de me suivre pour découvrir ce qui est pour moi une terre inconnue, le pays montpelliérain. À peine arrivée, j'ai eu envie de venir découvrir les paysages typiques de la région. Et on est ici au bord de l'étang de l'Or, entre ces étendues d'eau lagunaires, ces canaux, ces cabanes, cette réserve ornithologique naturelle. Et devant une nature si sauvage, si dominante, on a du mal à croire qu'on est à 15 minutes à peine de Montpellier. Bref, une terre contrastée, probablement à l'image de l'émission. On va le découvrir entre mer et garrigue, entre influence italienne et espagnole, entre encornets et pigeons. Bonjour. Bonjour. Ah ben, je ne vais pas vous demander ce que vous êtes en train de faire. J'ai compris que vous pêchez des anguilles, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Bonjour, je vous sers la pince. Et c'est votre métier ou c'est comme ça pour exactement, passer le temps? Oui, c'est mon métier. Ah, oui. Je fais ça, c'est de père en fils. Ça fait nombreuses années. Et tu les pêches comment ces anguilles alors? C'est quoi la méthode de pêche? Ces anguilles, c'est filet. Donc c'est un long filet, une paladière qu'on pose la veille qui peut rester plusieurs jours dans l'eau. D'accord. Et en fait, l'anguille ou différents poissons, il n'y a pas que l'anguille qui s'y prend dedans, vient taper dedans. C'est une nasse. Piques, voilà, elle ne peut plus sortir. Bloquée, quoi. Voilà. C'est des techniques ancestrales. Hein. Exactement. Et en fait, à la sortie, le poisson, nous, est toujours vivant. L'anguille, on la vend vivante. Et il est en bon état. En bon état, il n'y a jamais de soucis. Voilà. Alors, il y a plusieurs espèces. Ça, c'est l'anguille argentée. Ça, c'est l'anguille argentée qu'on reconnaît aux oreilles. Les oreilles. Les oreilles. Espèce de nageoire, là. On a l'impression d'avoir des nageoires sur le côté. Voilà. Et ensuite, il y a la verte qu'on n'a pas le droit jusqu'au 1er mars. C'est pour des questions de reproduction, c'est voilà, ça? Voilà, c'est ça. Ah, ça doit être très visqueux, non? Très. Il y a de la lie, ça s'appelle la limpe. Il n'y a pas d'écailles, hein, évidemment. Non. Je peux? Oui. Hop! Hop là. Hé hey, elle l'a fait. Oh là, elle glisse. Ah, c'est quand même vraiment dégueu. Et pourtant, j'adore ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est spécial. C'est spécial. Exactement. Et alors, comment on les cuisine dans la région? Bon, ici, on peut les faire au grill, au barbecue, là. Ah, j'adore ces c'est excellent. Voilà. La peau va bien gratiner, donc après, elle est facile à enlever. Et après, plusieurs façons de les cuisiner. Justement, ici, là, un petit peu plus loin, là, sur la droite, il y a la cabane trempée, que ça s'appelle. Il y a souvent une dame, Marie-Ève, qui m'a pris justement des anguilles hier, qui certainement a dû. Qui les cuisine, et elle cuisine un escabèche. Et dis donc, si t'arrives pas à trouver des débouchés pour les anguilles, tu peux la vendre aux chats. Hein. C'est ça. Ils ont l'air d'être très clients. Salut. Allez, Sofria, merci, au revoir. Attends, oh. Oh, hé. Elle a l'insolence des chats. Elle a l'insolence des chats. Elle a l'insolence des chats. C'est beau cet environnement, hein. Ah, quelque chose me dit que c'est là. La cabane trempée. Je connaissais les cabanes chanquées sur le bassin d'Arcachon, mais pas encore les cabanes trempées. Bonjour, je vous dérange pas? Cette ancienne cabane de pêcheurs abrite désormais depuis 20 ans le fruit de l'imagination d'un groupe d'artistes locaux qui s'y retrouvent régulièrement pour s'inspirer de ce cadre idyllique, créer et faire ripaille. J'ai l'impression que c'est un peu maison ouverte. En fait, c'est Sylvain, le pêcheur d'anguilles à côté, qui m'a recommandé de venir visiter un peu la cabane. Et qui m'a recommandé aussi de rencontrer Marie-Ève et ses anguilles. Je sais pas qui est Marie-Ève. C'est moi. Ah, voilà Marie-Ève. Elle tient le comptoir, en fait. On était en train de parler des anguilles de son enfance. Ah bon? Ah ben bonjour. Pardon. Oh, les vents. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bah c'est ça, les anguilles, elles sont là. Alors, les anguilles, c'est une recette de ma mère. Elles sont cuisinées comment, alors? Alors, on les farine, on les fait frire dans de l'huile d'olive. Ouais. Ensuite, on les sale. Et puis après, on fait une persillade avec ail, persil, du vinaigre rouge. Et on va verser sur les anguilles. Voilà. C'est une escabèche. C'est une escabèche, oui. Voilà. Ça, c'est une recette qui est typique de la Méditerranée, d'ailleurs, l'escabèche. C'était l'époque... Parce que les anguilles, on les cuisinait beaucoup au Moyen-Âge. Hein. C'était oui. un poisson qui était oui, très vrai, prisé oui. à l'époque, qui était très abondant, mmh. plus qu'aujourd'hui. Et à l'époque, on faisait beaucoup de sucré salé, oui. mais aussi de plats acides. Oui. Et pour une raison, d'ailleurs, probablement assez technique, c'est qu'on ne pouvait pas conserver, on n'avait pas de réfrigérateur. Mmh. Donc l'acide, c'était un conservateur, j'imagine. Moi, j'ai le souvenir d'avoir goûté des escabèches en Espagne, en Italie. Et c'est ce côté acidulé du vinaigre ou du vin, j'ai toujours apprécié. Je peux goûter un petit peu? Alors, allez-y. Hop là.
On y va. C'est super bon. Ils sont charnus quand même. Hein. Ouais. Ah ben, c'est une découverte. Mais ça, c'est un poisson qui est tellement méconnu en France, hormis dans les zones de pêche. Par exemple, à Paris, il n'y a même pas d'anguille chez les poissonniers. Oui, mais ici aussi, c'est pas évident. Ah, c'est vrai, même pas, ah, oui. Délicieux, vraiment. Escabeche. C'est ça, hein? Escabeche. Et alors, qui c'est la maison de qui ici? C'est la maison de Denis. Ah, de Denis. Oui. Bonjour, Denis. Bonjour. Moi, j'aimerais bien visiter l'intérieur de la cabane. C'est possible, ouais, Denis? Bien volontiers. Allez, bon, je vous fais visiter. Ah, vous faites des expos, c'est ça? Oui. En fait, c'est comme une galerie, quoi, ici. C'est quoi? C'est de l'encre? C'est de l'encre sur papier. Alors bon, j'utilise plusieurs techniques, mais bon... C'est un travail. C'est du trait... comment dire? C'est extrêmement minutieux, hein? J'ai une attirance particulière pour les arbres, les forêts, oui. En même temps, tu as l'inspiration autour de toi, ici, hein? Oui. Bon. Tu es vraiment en pleine nature. Je me promène souvent dans les forêts, c'est d'ailleurs. Ouais, c'est superbe. Eh bien, c'est vraiment un lieu qui inspire toutes les pratiques, hein, artistiques, culinaires. Oui, exactement. Superbe. Ben, merci pour votre accueil. Oui, avec plaisir. Merci. L'art culinaire est souvent mis à l'honneur ici, puisque chaque exposition débute avec un pique-nique. Une occasion supplémentaire de revenir lors d'un prochain voyage dans ce bout du monde qu'est le village de Moguio, début de la petite Camargue. Je reprends le volant, direction Montpellier, pour une recette de bord de mer que l'on m'a invité à découvrir. Bernard, qui a une jolie maison. Sur les hauteurs de Montpellier, Bernard nous attend pour préparer un plat des familles, un plat du dimanche, les encornets farcis, un incontournable ici. Et Bernard, c'est un gourmand, de par son métier avant tout, puisqu'en fait, il vend du champagne aux grands restaurants et aux cavistes. Mais vous verrez que sa cuisine, c'est pas que du 3 étoiles, c'est surtout du cœur, c'est de la cuisine de copains, comme on l'aime. Ça répond pas, il y a une poignée. Entrons, un coup de genou, j'ai fait ça toute ma vie. Ah, j'entends des bruits de couteau, ça doit être par là que ça se passe. Bonjour, ouais, Bernard. Bonjour Julie, tu vas bien? En plein dans les oignons. J'y suis déjà. Ça va bien et toi? Ouais, super. Je t'embrasse alors. Pardon, excuse-moi, je dois sentir l'oignon. Bah, je t'en prie. Trois ici? Trois ici, trois mais, ici. Eh oui. Allez, c'est vendu. C'est notre règle. Alors, t'es déjà au fourneau? Oui, je voulais pas prendre de retard, donc j'y suis déjà. Ah, les fameuses encornets farcis. Tu sais que ça me fait plaisir parce que je crois en avoir goûté, peut-être même en Italie, c'est possible? C'est possible, on les fait en Italie, on les fait en Corse, on les fait à 7 une... et puis ici. Et à 7, c'est le plat, c'est toi. Recette, oui, mais en fait, c'est une recette qui se fait un peu dans tous les coins. Hein. Oui, mais surtout au bord de la Méditerranée. Au bord de mer, oui. Voilà. Alors, attends, je vais me mettre en tenue. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Alors, raconte-moi tout. Alors, je suis sur ma sauce, le fond de sauce. Ça, le fond de sauce, ce sont des oignons et des tomates. Une sauce tomate. Et puis après, bien sûr, il y a tous les petits secrets. Il y a l'ail, il y a les herbes, il y a les épices. Ah, moi, je veux tous les petits secrets. Hein. Les petits c'est secrets. C'est pour ça que je suis là. Hein. Bon, sinon, j'ouvre des livres. On attaque par les oignons et par la pulpe de tomate. Bernard, qui semble toujours avoir une longueur d'avance, a largement anticipé la préparation de la sauce dans laquelle cuiront les encornets. Des oignons émincés et de la pulpe de tomate revenue dans de l'huile d'olive. Nous l'allongeons avec l'équivalent de 2 verres de vin blanc, de préférence oxydé, type vin jaune, sec et capiteux, et laissons crépiter avant d'ajouter quelques ingrédients de caractère. Ça, c'est du piment qui est là-bas, que tu vois là-bas. Espelette. D'espelette, et que une fois qu'il est sec, je le mixe. Moi, j'aime quand c'est fort. Ça ne nous fait pas peur. Dans la région, on aime bien les plats épicés quand même. Oui, parce qu'on est proche espagnol. Mais oui, c'est ça. Il faut que ce soit relevé un peu. Aïe, aïe, aïe. Caramba. Très relevé.
Ensuite, l'ail. De l'ail. Hop, on y va. Donc, t'as mis une gousse, là. Oui, une gousse. Hop. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être préparer la farce. Pour la farce, côté terre, nous ajoutons à la viande de veau et de porc déjà finement hachée, de l'ail écrasé, du persil, un œuf entier et quelques tours de poivrier. Alors parfois, c'est pas chaque fois, mais parfois, je mets des carottes dans ma farce. Ah. Je les râpe fin, fin, fin. D'accord. Et ensuite, ça te donne le petit côté carotte sucrée un peu. D'accord. Mais aussi pour lier le tout, du pain rassis réhydraté avec du lait. Intéressons-nous maintenant aux encornets et non pas aux chipirons qui seraient trop petits. Ils doivent avoir une taille suffisamment raisonnable pour être farcis. Il faut que tu vides donc les pattes, ouais, et les têtes. Il faut que tu vides surtout ça. Moi j'appelle ça la plume. L'os de sèche, oui. Ouais, ouais. Ah. Hop, voilà. Mais on est d'accord qu'on ne garde pas les yeux et on coupe juste pour garder les tentacules. Donc là, tu me les coupes en petits bouts. Je les coupe, ouais. On va s'en servir pour l'intégrer à la farce, c'est ça? Exactement, pour que la farce soit souple et qu'elle garde ce goût de poisson. C'est vraiment un plat terre et mer. C'est terre et mer, on aime bien dans la région d'ailleurs, du côté de Collioure. On retrouve aussi le lapin avec les crevettes. C'est Saint-Jacques avec le lard. Exactement. Et alors, le petit secret de ma grand-mère, de la saucisse sèche. Très peu. Oui, oui, oui. C'est ma petite touche personnelle. Du saucisson, comme on dit. J'en fais, tu vois, regarde, je coupe 3-4 toutes tranches, hachées fin. Voilà. Et ensuite, je l'intègre à cette farce. Ah. Alors, ça te donne cette texture qui change un peu. Ouais. Et ça te donne ce goût un peu rustique. Ça relève un peu et en même temps, c'est pas du lardon, c'est moins conventionnel. Ah, non. De la saucisse sèche, voilà. Ma farce est prête. Ouais. Là, maintenant, nous allons farcir. On en fait chacun. Allez, tiens, vas-y. Est-ce que je le farcis au maximum ou... Non, il faut que tu laisses. Alors, soit on va les coudre, sinon, moi, je mets des pics. J'ai compris. Tout simplement. Depuis tout à l'heure, je voudrais remplir. Oui, alors, il y a le... Non, alors, le secret, tu le vides d'air. Ouais, d'accord, tu repars. Et tu remets, et tu le remets bien au fond. D'accord, voilà. Et là, il est bien plein. Nickel, il y a du métier. Et tu fais comme une petite couture, ça y est, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, bah parfait. Il est prêt. Nous répétons l'opération plusieurs fois pour farcir notre petite douzaine d'encornets. Ici, lorsque l'on cuisine pour deux, on pense toujours aux copains qui pourraient débarquer à l'improviste. Puis nous finalisons la sauce avec une touche de safran diluée dans un peu d'eau avant de mixer. C'est dans cette onctueuse préparation que vont cuire les encornets une heure à feu doux. Donc, on laisse mijoter ça. Et pendant ce temps-là, moi, je vais écrire la recette sur mon petit carnet, si tu veux bien. Allez, go. Allez, je vous emmène. Un voyage gourmand entre terre et mer. Alors, pour réussir les encornets comme Bernard, il faut se procurer 12 encornets moyens. Puis, pour la sauce, 6 grosses tomates, 4 oignons doux des Cévennes, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à café de piment d'Espelette, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 verres de vin blanc. Pour la farce, 400 g de veau et 300 g de porc haché, 1 œuf, 2 branches de persil, 2 gousses d'ail, une petite carotte, 50 g de baguette trempée dans du lait, de l'ail au lit que l'on ajoute à la toute fin, et pour la dégustation, un peu de rouille et des croûtons. Pour faire honneur au plat, la fille de Bernard, Sarah, nous a rejoint. Mais avant tout, le maître de maison me propose une alliance étonnante. J'avais pensé mettre un champagne rosé. Ça te branche? Remarque si tu proposes, hein. Ce plat-là, qui est quand même corsé, qui est épicé, qui est aillé, il peut s'allier avec un champagne. Le champagne, c'est un vin. Et malheureusement, en France, on a fait de ce vin un vin de fête, mais on n'a jamais appris à manger à table avec du champagne. C'est vrai. Alors, oh là là, les encornets au champagne. Sarah, raconte-moi ce plat. Ton papa me disait que c'était vraiment le plat familial, rituel autour duquel tout le monde se réunit. Oui, on se réunit tous. Ben, on a l'habitude le dimanche de se retrouver avec les grands-parents. C'est vrai. Donc les tantes, oui. Et c'est un dingue de cuisine, ton papa. Ah ouais. Est-ce que ça s'est transmis aux enfants, alors? Ce qu'on fait souvent entre frères et sœurs, chaque été, on fait un jour un plat, un thème.
Donc, thème libre. Thème libre. Chacun choisit son thème. Donc, mon frère, il fait souvent le thème italien. Moi, c'est espagnol, généralement. Ah, c'est et encore une fois les deux influences principales de la région, quand même. Hein. Allez, hop. Alors, merci pour ce beau cadeau. Avec plaisir. Avec plaisir, vraiment. Bien. Eh bien, on attaque ces encornets magiques. Incroyable alliance, ça marche terriblement bien avec le côté tomaté, pimenté. Oui, avec un petit peu de rouille. Ah bon, comme une soupe de poisson. Et oui, oui, oui. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la rouille sur le pain? De la rouille. Mais c'est du pain frotté à l'ail, non? C'est juste. Non, parce que l'ail, bon, moi j'adore l'ail. L'ail est déjà là, ouais. Mais là, il y en a dans la sauce, il y en a dans le plat, il y en a partout, donc voilà. D'accord. Oh, c'est délicieux. C'est drôle parce que j'avais une grand-mère monégasque. Alors elle les faisait pas farcies, elle les faisait en sauce tomate. Mais telle qu'elle. Et cela, tout d'un coup, avec le riz, ça me rappelle. C'est fou, hein? C'est le pouvoir de mémoire de la cuisine. C'est délicieux. Alors, question. Est-ce que demain, pour le déjeuner, vous seriez libre? Oui. J'aime bien ce « oui », cet élan. Et bien ça fait plaisir parce que si vous êtes libre, je vous donne rendez-vous à l'hôtel Magnol et chacun apportera son plat. Comme ça, on célébrera les traditions languedociennes méditerranéennes. Avec plaisir, ouais, vraiment. Avec plaisir. J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, mon Hawaï à moi. On va rester dans les produits de la mer après les encornets et avant la baudroie, la lotte, ça c'est la prochaine recette. Je vous propose un petit crochet par l'étang de Thau. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une immense étendue lagunaire. C'est d'ailleurs le plus grand étang du Languedoc, 7500 hectares. Et dans cet étang, on pratique l'ostréiculture et la mytiliculture, l'élevage de moules. Et il y a un homme que je voudrais vous présenter en particulier. Il a inventé un processus qui permet de reproduire le phénomène des marées, qui est évidemment absent de l'étang, de façon à augmenter la qualité organoleptique, la qualité gustative des huîtres. Je lui laisse le soin de vous expliquer tout ça. Vous avez probablement déjà entendu parler des huîtres de Bouzigue, variété creuse à la coquille marbrée propre au bassin de Thau, lagune séparée de la Méditerranée par un cordon dunaire. La famille Tarbourièche, dans l'ostréiculture depuis 3 générations, consciente du bénéfice des marées sur le mollusque, a repris le contrôle sur la nature et par là même sur l'étang, en mettant en place un système ingénieux qui permet au coquillage de se développer progressivement. Là où on va retrouver les vraies différences, c'est dans la texture de l'huître. Elle va être plus charnue, plus croquante. On a une nacre aussi qui va prendre le temps de se former. Donc il y a des vraies différences à l'œil, au regard, des vraies différences au goût, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on met quand même 3 à 4 ans pour arriver au résultat. Tandis qu'une huître de Bouzigue ou de Méditerranée, c'est une huître qui pousse en 12 à 18 mois. Une idée qui a germé dans la tête de Florent dès 2006. Et donc je me suis fait ce pari pendant 2 ans de faire, à l'échelle bien sûr d'une corde et à la main, sortir une huître de l'eau pour voir comment elle évoluait tous les jours, de les sortir de l'eau comme si l'eau partait, comme si elle subissait la marée. Et c'est vrai que dès les premiers mois, au bout de 6-8 mois, je commence à voir des caractéristiques de couleur, de forme, bref, de texture apparaître. On est dans un métier tellement traditionnel, tellement vieux, que plusieurs confrères m'ont pas vraiment pris pour un fou, mais ont été quand même assez surpris. On a équipé chaque perche d'un moteur qui est lui-même alimenté de manière autonome par l'énergie solaire ou éolienne. On a 2 types d'énergie. Il existe 2 phases essentielles dans l'élevage des huîtres avec ce système nouvelle génération. Dans ces petits paniers bleus, dans ces petits triangles bleus que vous voyez là, on va y mettre des huîtres qui font entre 3 et 5 mm. Donc on va les faire pré-grossir pendant environ 6 mois. Ces bébés huîtres sont ensuite collés sur des bandes de filets et c'est à l'atelier que le méticuleux travail de préparation réservé aux femmes est réalisé. À l'aide d'un savant mélange de résine et de coquilles pilées, les mollusques font corps avec les supports d'élevage avant d'être envoyés dans un second parc.
Là, on est sur vraiment du collage, donc les huîtres qui faisaient entre 2 et 3 cm au moment où on les a fixées sur le support. Et donc là, elles vont rester ici, sur cette table-là, à faire des marées artificielles pendant environ 36 mois, quoi. Plusieurs parcs permettent une bonne rotation des stocks et d'en produire durant toute l'année. Donc là, ça fait déjà 24 mois qu'elles sont en élevage. Et donc, il ne leur reste plus qu'une dizaine de mois, grand max, avant d'être mangées par les gourmets, on va dire. Vous voyez, c'est quand même très, très charnu. Trop bon. C'est génial. Le top. Mais laissons nos ostréiculteurs à leur labeur. Je croise les doigts pour qu'ils soient des nôtres pour le banquet et nous régalent de leurs huîtres incomparables. Nous voilà partis pour contourner Montpellier et se rendre chez Jacques Kerel, qui est un ami de Bernard d'ailleurs. Lui aussi, il connaît bien le vin, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dans sa famille, on est caviste depuis 8 générations, plus de 150 ans. Ce sont les plus anciens cavistes de Montpellier. Ils connaissent par cœur les vins du Languedoc, les coteaux du Languedoc et leurs histoires. Mais Jacques, il va nous faire un plat très emblématique de la région et de la Méditerranée plus largement, chacun a sa version. Il s'agit de la bourride. Ah, bonjour Jacques. Bonjour Julie, ça va ? Je vous fais la bise. Bah oui, ça va bien. Et vous ? Bienvenue. Bon, mais Julie, voilà la cuisine. Elle est belle ta cuisine. Oui, elle est assez sympathique, elle est bien ouverte. Bon, là, c'est un peu tard, mais elle est bien ouverte sur le jardin. Donc, c'est toujours agréable de cuisiner. Elle est grande, agréable. Agréable de cuisiner, oui. Ouais, ouais. Mais alors, attends, raconte-moi. La bourride, c'est une soupe de poisson traditionnelle du Languedoc, c'est ça ? Non, c'est pas une soupe de poisson. Alors, la bourride, c'est quoi ? C'est du poisson, donc de la lotte, cuit dans le courbouillon. D'accord. C'est servi avec des légumes et une sauce à base du courbouillon et d'aioli. Bon, moi, j'y ajoute un petit peu des foies de lotte. Et voilà, servi comme ça. Et la sauce chaude par-dessus sur le solo. Eh bien, tu vois, heureusement que je suis venue, j'étais persuadée que c'était une soupe. Alors, montre-moi comment tu fais. Alors, donc là, j'ai pris un tout petit peu d'avance parce que j'ai fait le courbouillon. Ouais. Avec des carottes. Tu as mis des tas de choses là, alors. Des donc, carottes, du laurier, des carottes, des poireaux. J'ai mis les arêtes, les os de l'hôte. D'accord. Ça donne un petit goût de poisson. Le courbouillon terminé, nous le débarrassons des légumes et des carcasses de l'hôte pour le mettre à bouillir. Puis nous lançons la cuisson de la garniture, poireaux, carottes, céleri et côtes de blette, que Jacques a également préparé à l'avance. Alors là, on va faire fondre nos légumes. Oui. C'est important qu'ils soient en julienne ? Ben, j'aime bien pour la présentation. Et puis c'est plus vite cuit. Ben, on peut le faire avec des légumes entiers, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Là, je sors mon poisson. Voilà. Donc la lotte, c'est... Oups. Je vous montre ce que c'est. Eh bien, la lotte, c'est quand même très, très moche. Ah, mais non, c'est pas... Y a pas pu, et d'ailleurs, ce poisson a toujours, pendant longtemps, été un peu maudit. Hein. On pensait, lié à son physique, que c'était un poisson qui portait malheur. Aujourd'hui, c'est un des poissons les plus rares et les plus chers. Ah, ça, c'est des choux que j'ai récupérés. Ah, c'est bon, ça. Ah, j'adore ça. Ah, c'est le solilès de la mer. Ah, ouais, ça, c'est magnifique. Voilà. Je sens qu'on va encore se régaler. Le courbouillon, il est bien chaud. Il faut qu'il soit frémissant, c'est ça ? Oui, dès que ça bouge, j'arrête et je mets mon poisson dedans. Et ça cuit donc sans bouillir. Ça, dans l'inertie. Dans l'inertie. Ah, ouais. C'est la meilleure façon de cuire le poisson. Ah oui, complètement. Allez, on y va. Il doit avoir du goût quand même. Ah bah tu pars. Hein. Tu vois comme ça poche vite, regarde, c'est déjà. Ouais, ouais, ça a déjà changé de couleur. Ouais, c'est très vite. Ah, il y en a une qui vit encore. Aïe, aïe, aïe. Quelques minutes suffisent pour saisir les chairs. On est cuit. On y est, ah oui. Nous les réservons au chaud dans le bouillon, puis nous nous lançons dans la confection de la sauce qui accompagnera la bourride, à savoir un aioli que nous enrichissons de 2 louches de courbouillon et de pommes de terre écrasées pour la texture et pour le liant. C'est la sauce blanche en fait qui nappe. Voilà, c'est la sauce. C'est l'aioli mélangé au courbouillon, c'est d'accord. Tout. D'accord. Ouais. Il y a de l'ail.
l'ail, c'est la santé. Ça, c'est sûr. Ensuite, je vais faire revenir mes foies. Voilà, parfait. Tac. Tu les fais juste raidir, hein, c'est ça? Oui, juste pour les petits coups comme ça, pour mettre sur le crouton. Le crouton, il est sorti. Il est sorti. Ah, vous êtes très crouton ici, hein. Mais avant de dresser nos assiettes, je prends en note la recette de Jacques. Pour réaliser une bourride de Baudroie comme lui, nous aurons besoin de 800 g de lotte en filet, de l'orgeau et de l'orfois, d'une demi-bouteille de vin blanc sec, de 500 g de carottes, de 3 côtes de blette, de 2 branches de céleri, 3 gros poireaux, 800 g de pommes de terre à chair ferme, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et un peu de persil. Ah, n'oubliez pas les rondelles de baguette pour les croûtons. Et pour la sauce à l'aioli, 2 gousses d'ail, un jaune d'œuf, le jus d'un demi-citron, une cuillerée à soupe de vinaigre de vin blanc, 2 louches de fumée de poisson, 10 cl d'huile de tournesol et 10 cl d'huile d'olive. Et ma foi. Voilà, on va pouvoir mettre les foies. C'est magnifique. Hop. Ça, c'est vrai que c'est un produit qu'on n'a plus tellement l'habitude de consommer, le foie de lotte, à tort, parce non, que ouais, c'est tout délicieux. À fait, ouais. Alors, là, j'imagine que c'est le moment où on peut sortir les queues. On met une prendre... queue et des petites joues. Oui. C'est voilà. Ça. Tu as vu comme il est blanc, il est nacré, ce poisson. Hein. Il a un côté magique. Voilà. Hop, comme ça. On va. Et les petits légumes, je les mets autour. Ah, mais oui, c'est vrai, par-dessus. Alors. On les a oubliés. Oui, on les a oubliés. Alors, par-dessus. Comme ça, en travers, moi, j'aime bien, ouais. En travers. Tu vois, voilà, ça fait, tu vois, la Julienne, ça fait ouais, plus... Ouais, c'est vrai, c'est plus chic. Ouais, c'est plus sympa. Ah ouais, très moi, sympa. Moi, je trouve que le foie, tu vois, là, c'est sympa, parce qu'on s'en sert jamais du foie de l'autre vrai, et des joues non plus. Vrai. Tu sais que je me souviens avoir entendu Alain Ducasse dire que pour lui, le meilleur aliment du monde, c'était le foie de rouget. Ah putain. Quand même, c'est quelque chose. Parce que c'est souvent, on mange que le filet, alors bien que sûr, c'est vrai que ce tout sûr. Petit foie, c'est un concentré de saveur. Alors, touche finale. On voit un petit peu sur le poisson. Voilà. Oh là 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 là. Tac. C'est magnifique. Bon, Bertin. Mais tu vois, c'est pas une soupe. Hein. Alors, on s'installe où ici, sur la table? Écoute, si tu veux, avec plaisir. Allez. Voilà. Est-ce que tu veux un petit verre de vin blanc? Écoute, si hein? Tu insistes, comme je sais que c'est ta partie. Oui, c'est un petit vin du Languedoc, bien sûr. Hein. Alors raconte-moi d'ailleurs, qu'est-ce qui t'attache tant à ces vins-là, hormis le fait que tu sois né ici? Mais, c'est-à-dire que d'abord oui, je suis né ici, je suis une famille de vignerons au départ, et en plus on est marchand de vin cette année depuis 170 ans. C'est notre 170e anniversaire. Bon, c'était en citerne, puis après c'était en bouteille dans les années 70. C'est sympa comme tout, bon, c'est ben, une anecdote. Donc, c'est belle sympa. Maison. Voilà. Allez, on attaque. Ok, ben, allez, je lui dis bon appétit. Non, c'est bon. Tu sais ce que j'aime? C'est qu'il y a plein de textures différentes. Tu as le foie qui est extrêmement tendre, tu as la lotte qui est assez ferme, les légumes fondus et la sauce qui enrobe tout ça. Ça ressemble bien au midi, quoi. C'est sympa. Et vous aimez l'ail, vous, hein? Un petit peu, ouais. L'ail et l'huile d'olive, c'est... et le vin, c'est la vie. C'est vrai que c'est la sainte trilogie méditerranéenne. C'est en compagnie de Jacques que s'achève cette première journée. Nous le retrouverons demain pour notre repas de fin de voyage. C'est la Java du, la Java du, la Java du bord de mer. C'est la Java du, la Java du bord de mer. De nouvelles découvertes s'offrent à moi aujourd'hui. Et avant de rejoindre les terres du côté du Pic Saint-Loup, Micheline et moi traversons l'étonnante ville de la Grande Motte. Le littoral compte quelques stations balnéaires très fréquentées l'été, comme celle-ci, assez caractéristique avec son architecture des années 70, réalisée par Jean Balladur. Une partie mâle, faite de pyramides hautes et droites, et une partie femelle, constituée, elle, de pyramides arrondies. Au cœur de la ville domine la grande pyramide, haute de 15 étages, symétriquement opposée au pic Saint-Loup, qui la surplombe. Je propose une journée gastronomique, ça va sans dire, ça c'est pas très nouveau, mais aussi musicale. On va rencontrer un luthier, on sort un petit peu de Montpellier, on va sur l'un de ses coteaux les plus célèbres, le Pic Saint-Loup, où on fait ce merveilleux vin. C'est là qu'habite Frédéric. Frédéric Chaudière, il est donc luthier. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas du tout prédestiné à ce métier. Il va nous raconter son parcours. Il est aussi passionné de cuisine. Il nous propose une de ses recettes fétiches, un pigeon aux pois chiches. Alors pourquoi les pois chiches? Eh bien, figurez-vous qu'on en produit dans la région et paraît-il parmi les meilleurs de France.
Bonjour Frédéric. Bienvenue. Quel bel endroit. Bonjour. Bonjour. Allez, on s'embrasse. Ah oui, trois. Ah, je vais m'y mettre. Ah, dis donc, c'est impressionnant. Toutes les maisons ont une belle vue, sont ouvertes, vastes, avec des cuisines qui donnent sur les pièces de vie. Avec la vue qu'on a, ce serait très dommage de mettre des portes et des cloisons. C'est sûr. Alors, le fameux Pic Saint-Loup ? Il est juste en face. C'est celui qui est plus au fond, là. Ah, pas celui qui est éclairé ? À droite, qui est éclairé, c'est l'Ortus. D'accord. Et Pic Saint-Loup est au fond. Est au fond, d'accord. Alors, raconte-moi, ces pigeons, c'est un ingrédient qui est beaucoup utilisé dans la région ? Qui était énormément utilisé. Bon, donc, au Moyen-Âge, c'était un privilège pour les seigneurs d'avoir des pigeons. C'était donc interdit pour les paysans. Dans les fermes, il n'y en avait pas. Après la Révolution, il y a eu donc des pigeonniers qui sont construits partout dans chaque ferme. Oui, c'était une revanche du petit peuple. Voilà. On voit que t'es pas parisien. De temps en temps, je mange des pigeons. Vous voyez, c'est pas les mêmes pigeons qu'on trouve dans les rues à Paris. Ça, c'est sûr. Ça, il faut le dire à ceux qui sont un petit peu réfractaires aux pigeons. Et du coup, tu as construit un pigeonnier, toi ? J'ai construit un pigeonnier, ouais. Ah, ben c'est chouette. Eh ben alors, je me rhabille. Allez, hop. Allez, allons-y. C'est vraiment un havre de paix. Hein. Ouais, on est bien, ça c'est sûr. Ouais. Incroyable cet endroit. À 20 km de la ville, aucune nuisance, pas de route, pas de voisins. Ah, ça roucoule. Attention à ça. Ouais, ça roucoule, c'est le printemps, ils sont amoureux. Dis donc, il est propre hein, ton pigeonnier. Eh, c'est un vrai. Une vraie petite maison. Ouais. Alors, tu leur donnes quoi à manger ? Du maïs ? Ils ont du maïs et des pois dedans. Des pois chiches ? Eh bien, justement, c'est l'objet de la recette. C'est vrai ? Ouais, c'est-à-dire que les viandes sont particulièrement intéressantes si on les cuisine avec la chose que l'animal mange. Qu'elles ont mangé ? Ouais. Ah bon ? C'est des alliances naturelles, tu veux dire. On retrouve le goût dans la chair. Ouais, absolument. Ah, c'est une belle idée. Absolument. Et dis donc, faudrait peut-être pas laisser la porte trop ouverte. Non, ils sont en liberté, ils peuvent rentrer, sortir. Ah bon, et ils reviennent au barcail. Ouais, c'est chez eux. D'accord. Ouais, bah alors, ma choupinette. Oh, ça doit être terrible quand tu dois les tuer, non ? Ça te fend pas le cœur ? Ben ouais, c'est un peu difficile, ouais. Ainsi va la vie, quoi. C'est difficile, mais c'est comme ça, ouais. Bon, on va exercer notre droit seigneurial, on va manger nos pigeons. C'est bouche à mourir. C'est bouche à mourir qui appelle. Ah là là, cet environnement est magnifique. Nous pourrions passer des heures dans le jardin de Frédéric, mais c'est en cuisine que nous filons célébrer nos oiseaux, heureusement déjà plumés. Je vais mettre dedans un peu de gros sel et du genièvre. Ah, des baies de genièvre, ça aussi les pigeons en mangent. Les pigeons en mangent, c'est délicieux. Mmh. Ensuite, je vais le mettre à bouillir. Dans une casserole. Ah, tu mets à bouillir, dans l'eau. Ouais. D'accord. On met l'eau dans la casserole, du mais sel. Là, tu ne cuis pas tes pigeons dans un bouillon de volaille ou non ? Non, c'est le bouillon, je suis en train de le faire. D'accord. Donc ça va être du sel, trois gousses d'ail, écrasé en chemise, une feuille de laurier. C'est drôle que tu l'aies. C'est la première fois que je les vois pochés comme une poule. Eh bien, ça se fait. Bon, tu vas voir le résultat. Et j'aime bien rajouter. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça. Oh là, c'est étonnant. Alors attends, moi j'assimilerais ça à de la citronnelle, mais je sais que ça n'en est pas. Ben, ça y ressemble un peu, mais c'est pas ça. Non. Qu'est-ce que c'est ? C'est du géranium. Ah ben oui, effectivement. Un géranium rosa. Et ça se mange, entre guillemets ? Ouais, c'est délicieux. Ah bon ? C'est avec ça qu'on fait l'essence de rose, les loukoum à la rose, par exemple. Donc ça pousse, bon, pareil, ça craint le gel, mais c'est une... Donc les loukoum à la rose sont pas faits avec des roses ? Non, c'est pas fait avec des roses, non. On s'est fait flouer. Ouais. Ça sent bon. Voilà, donc je rajoute ça dedans. Ouais. Ah, le pigeon au géranium, ça c'est classe. Et donc je mets à cuire. Donc je laisse frémir 45 minutes jusqu'à ce que le pigeon soit tendre, mais pas défait. Donc il faut qu'il se tienne. Ouais. Et à peu près 5 ou 10 minutes avant, je mets des coins. Ah, des coins ? C'est une recette sucrée-salée. Sucrée-salée. C'est vraiment le fruit d'hiver. C'est un fruit d'hiver et ça va particulièrement bien avec la viande. Ah, c'est vraiment très très intéressant. D'accord. Eh bien, profitons-en pour prendre en note la recette. Pour magnifier les pigeons sucrés salés au coin et aux pois chiches comme Frédéric, nous mettrons la main sur deux pigeons,
2 coings que l'on mettra à cuire 10 minutes avant la fin de la cuisson, 3 gousses d'ail, une feuille de laurier, un brin de géranium rosa, un sucre, 10 baies de genièvre, un filet d'huile d'olive, 700 g de petites pommes de terre rates, cuites elles aussi dans le bouillon de cuisson des pigeons, mais aussi 200 g de pois chiches en accompagnement, mis à tremper la veille et ébouillantés pendant 1 heure. Et enfin, n'oubliez pas 2 cuillerées à soupe de confiture de kumquat, en l'occurrence faite maison par le papa de Frédéric. C'est presque plus une pâte de fruits qu'une confiture. Ouais, absolument. Ce qui est étonnant, c'est que c'est acide, acidulé, parce que c'est pas acide, c'est acidulé, sucré naturellement, mais pas très amer. Ouais. Mmh, oh, j'adore ça. Et donc ça, tu t'en sers à quel moment ? Je vais faire réduire le jus de cuisson des pigeons. Je vais diluer un peu la confiture avec et je vais napper les pigeons avec cette confiture avant de les mettre au four. Alors, si j'ai pas de confiture de kumquat faite avec un confiture soleil, d'orange amère. Orange amère, d'accord. Par exemple. D'accord. En tout cas, confiture d'agrumes. C'est une vraie mélodie culinaire que tu nous fais là. Je crois que je vais t'embaucher comme cuisinière. Tu le fais super bien. Ah, je fais bien la petite main, moi. Donc ton nappage, ouais. on le met sur le pigeon, c'est ça? Ouais. Juste le pigeon. Juste hein. Le pigeon. Donc là, il est bien réduit. Mmh. C'est pour glacer un peu ouais. Le pigeon, le laquer. Ouais. D'accord. Voilà. Alors. On va mettre une goutte d'huile d'olive maison. C'est vrai que pour l'instant, on n'a mis aucune matière grasse. Ouais, c'est là. Forcément. Maison. Maison. Oh là là. Là. Ça, c'est la classe. Alors. À four bien bien chaud. Ouais, donc. Ton four, tu l'as préchauffé à combien? 280. Ah, c'est un grand coup de chaud, quoi. Ouais, un grand coup de chaud. Et là, tu laisses laquer combien de temps? Laquer 5 minutes. Faut surveiller. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans ton atelier, ouais. Si j'ai bien compris, dans l'hôtel Magnol. Absolument. Ça va me permettre de me perdre un petit peu dans les ruelles du vieux Montpellier, c'est parfait. Et puis, c'est là-bas qu'on va pouvoir faire le banquet? Ouais. Ça, c'est sympa. Ça me fait plaisir. Et de découvrir ta maison et ton atelier. Peut-être que tu nous joueras un petit morceau de violon? Non, ça c'est beaucoup demandé. Oh. Mais je peux vous montrer comment on les fabrique. Ça, je veux bien. Voilà. Allez. Je laisse notre artiste polyvalent, luthier, cuisinier hors pair, écrivain et peintre amateur, terminer pour rejoindre au cœur de Montpellier, l'hôtel Magnol. Magnol était un botaniste qui a dirigé le jardin botanique de Montpellier à peu près un siècle après sa création, au XVIIe siècle. Et c'était un botaniste qui est devenu très célèbre parce qu'il a été le premier à classer les plantes par famille. C'était très innovant à l'époque. Et pour lui rendre hommage, on a décidé de donner son nom à une plante encore aujourd'hui très célèbre et présente d'ailleurs dans la région, le magnolia. Le jardin des plantes, véritable poumon vert aux allures de Toscane avec ses cyprès, est encore aujourd'hui rattaché à l'université de médecine. Enseignement qui survient très tôt à Montpellier, puisqu'au XIIIe siècle, elle est la première ville du monde occidental à accueillir une faculté dédiée à cette discipline. Le jardin botanique s'étend sur plus de 4 hectares, totalise environ 2680 espèces et rassemble diverses collections de plantes méditerranéennes, succulentes, vivrières et médicinales. Mais revenons-en à Pierre Magnol, fils d'apothicaire montpelliérain qui se passionna très vite pour la botanique et diplômé de médecine en 1659, il devint même le médecin du roi, ce qui le fit se démarquer des autres botanistes, connaître dans le monde entier, tout en faisant avancer cette science et sa féconde idée du classement des plantes par famille. Au total, ce sont près de 2000 plantes qu'il répertoria dans ses ouvrages. Pour lui rendre hommage, c'est Linné, fondateur de la science botanique moderne au XVIIIe siècle, qui donna le nom du bon docteur au magnolia. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Oh, je ne sais plus comment faire. Bah oui, c'est les magnolias. Je ne sais plus comment faire.
J'ai abandonné Micheline sur la place Sainte-Anne parce que, vous le savez sans doute, Montpellier est pour l'essentiel piétonne, et ça c'est une vraie réussite de la ville, une de plus. C'est d'ailleurs le plus grand centre piétonnier urbain de France, et les Montpelliérains sont aidés dans leur déplacement par un réseau très dense de tramways, dont certains sont même aménagés, décorés par des grands artistes, comme Christian Lacroix, qui est natif de Montpellier, et Garou Stebonetti. Il paraît même que le New York Times, le célèbre New York Times, a décrété que c'était les tramways les plus sexy d'Europe. Reste à savoir ce que c'est qu'un tramway sexy, ça. Les Américains, de toute façon, on n'y comprend jamais rien. Bon, alors, on part à la recherche de l'hôtel Magnol. C'est l'occasion de découvrir le centre historique, hein. C'est beau. Magnifique cette maison. Voilà. Je retrouve Frédéric, ayant enfilé son tablier de luthier cette fois-ci, et déjà bien affairé dans son atelier. Et donc, cette maison date de quelle époque ? 1700 à peu près. 1700, ah oui. Et à l'époque, on n'y faisait pas de violon. On n'y faisait pas des violons, non, c'était la maison de Monsieur Magnol. D'ailleurs, si je m'abuse, c'est aussi le siècle de la naissance du violon, non ? Non, c'est le siècle des grands luthiers Stradivarius, en 1700. Ah, c'est ça. Mais les violons existaient déjà ? Déjà depuis deux siècles, oui. Tiens-tu ces connaissances ? C'est l'amour de la musique, en fait. Parce que je me suis passionné pour la musique quand j'avais 14-15 ans. Mais déjà pour la musique classique, pour la non, grande non, musique ? Non, pas du tout, non. Pas du tout. J'étais dans un groupe punk, on faisait de la musique, on détestait les violons et la musique classique. Ah, j'imagine. La dernière des trucs que je pensais faire un jour. Et puis j'ai commencé à faire des guitares pour les membres du groupe. Et puis après, j'ai voulu apprendre à faire les violons parce que je me suis dit que si j'apprenais à faire les violons, je pourrais faire toutes sortes de choses. Ouais. Et est-ce que les Stradivarius, c'est encore aujourd'hui la référence absolue, ou est-ce que maintenant ça a été peut-être un petit peu rendu obsolète par les nouvelles techniques ? Ah non, bah alors pas du tout. Ça veut dire que tous les grands solistes qui jouent dans le monde entier jouent des instruments soit de Stradivarius, soit de Guarnerius, c'est-à-dire de luthiers de Crémone de cette période-là. Donc ce sont des instruments qui ont trois siècles. Ouais, deux siècles, entre deux et trois siècles. Et on se donne un mal de chien à reproduire, à apprendre même. Les techniques qu'il utilisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on travaille exactement comme il travaillait à cette époque-là, c'est-à-dire sans machine, avec les mêmes bois, les mêmes outils, les mêmes techniques. Incroyable. Ouais. C'est un métier merveilleux, vraiment, franchement, des métiers où on peut travailler sans se préoccuper du temps qu'on passe sur l'objet qu'on fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et alors, ce violon à cet état-là, tu as mis combien de temps pour le fabriquer ? Ça, c'est trois semaines de travail. Trois semaines ? Intensif, tu veux dire, complet, ouais, temps complet ? Ouais, parce que donc, c'est vraiment tout fait à la main. Une fois qu'il sera finalisé, il vaut combien ? Ça coûte 20 000 euros. Ah oui, quand même, évidemment. Ouais. Je comprends que vous preniez votre temps. Ouais, ça coûte 20 000 euros et le musicien l'achète seulement si ça sonne convenablement. Le violon est très bon. Mais c'est l'objet d'une vie, en fait, c'est ça aussi. Ouais, on change pas de violon comme on change de chemise. Ouais. Bon, je te laisse avancer, je vais pas dire terminer, parce que c'est pas aujourd'hui que tu vas terminer. Moi, je vais peut-être commencer à dresser un peu la table. Ok, c'est bien. Je fais comme chez moi. Tu fais comme chez toi, absolument. Tout à l'heure. Je prends possession des lieux et installe notre table de fête en attendant les gourmands. Marie-Ève, ses anguilles et Denis l'artiste font les premiers retentir la sonnette. Salut les amis. Bonjour Marie-Ève. Ah, oh, t'es venue avec les anguilles. Oui. C'est bien mignon ça. Ça va faire plaisir. Bonjour Denis. Hello. Talonné par Jacques, le spécialiste de la baudroie, sa femme Hélène, mais aussi Bernard, l'ami de longue date, accompagné de sa fille. Ça va, Pierre ? Salut Bernard. Et comment tu fais pour transporter une soupe là-dedans ?
Ils sont tous venus les bras chargés avec de quoi lancer l'apéro que l'on accompagne des anguilles à l'escabèche. Elles sont là, alors là, il faut y aller avec les doigts. Avec les doigts, à la mano. C'est bon, hein. Tu pour le champagne. On montre ce que tu en penses. Allez-y, allez-y. Prenons place autour de la table. Cela fera probablement arriver Florie, l'ostréicultrice, et débutons avec les encornets de Bernard. Oh là là ! Quel bonheur ! Ah, bonjour Florie ! Merci d'être avec nous. Je vous fais avec plaisir. Ah bah c'est vachement gentil. Vous êtes libérée. Eh ben alors tiens, installe-toi là, à côté d'Hélène. Et ça tombe bien, on vient de commencer les encornets farcis. Alors en principe, vous pouvez mettre un petit peu de rouille dessus. Un peu de rouille comme un... C'est qui comme vous une, relève un peu votre parfum de la sauce. Allez, moi j'attaque. Bon appétit. Merci. C'est très bon. C'est excellent. Délicieux. Pas le temps de mollir, Jacques fait son entrée avec sa lotte. Oh là là, j'adore. Alors voilà, on lève en côte de lait. C'est la julienne de l'huile. Les foies de l'œuf. Sur le toast. Mais c'est drôle d'ailleurs, il n'y a pas de cuisine montpelliéraine vraiment. Et finalement, j'ai l'impression que la cuisine, elle s'est quand même plutôt dessinée aux alentours de la ville. Elle se fait entre mais, nous. Voilà, mais pas apports, tellement dans la ville. C'est avec les apports des Italiens à 7, des Pieds-Noirs, des Espagnols. Oui, c'est ces gens-là ont amené une cuisine qu'on a... Il y a beaucoup de plats quand même du poissonnier, du marailleur et du pêcheur. Voilà. C'est des bases un petit peu de plats de pêcheur. Mais il n'y a pas un plat qui soit vraiment... complètement non. Propre à ici. Non, mais c'est, ça non, nous, c'est moi, ça fait personnellement, ça ne nous gêne pas. Hein. Ça fait partie de votre état d'esprit aussi. Complètement. En tout cas, c'est délicieux. Et ta sauce est parfaitement dosée. Un petit truc auquel je pense qu'on aurait pu faire aussi, c'est les tellines. Ah. Les tellines, c'est chez nous, hein. C'est entre force et... Ça, je crois que j'en ai jamais goûté. Ce sont des petits coquillages. En parlant coquillages, Florie est justement à pied d'œuvre pour ouvrir ses tarbourièches de bousigues. Et ben voilà, le fameux trou normand. Super. Ah ben, c'est vraiment un travail de famille. C'est excellent, elles sont vraiment... En une huître. C'est super. Ah, elles sont extraordinaires, vraiment. Ça, c'est fabuleux. Il ne faut pas mettre de vinaigre, d'oignon, de citron. Une goutte de citron. Non, un tour de moulin à poivre, moi, j'aime bien. Ah, ça, c'est bien. Ouais. J'adore ça. Le poivre moulu, comme ça relève. C'est bien, hein, ça permet de dégager le palais. Et c'est parti pour un service à l'assiette, un quatre-mains avec sa fille Lucie. Une bien belle partition. En tout cas, il y a des odeurs magnifiques entre les coings, le kumquat. Alors ça, c'est un pigeon qui a été poché, puis agrémenté de confiture de kumquat que fabrique le père de Frédéric. Et on a ensuite, dans le bouillon, poché les coings, cuit les pommes de terre et terminé la cuisson des pois chiches. D'accord. Et ça, c'est une recette familiale aussi. Ouais, c'est un mélange de cuisine familiale, de ce que fait mon père, de choses que j'ai rajoutées moi. Très bon. Et du jardin. Ensemble d'idées, ouais. Et je vais vous dire du jardin à double titre, parce que, effectivement, bon, les coings, on imagine, mais surtout les pigeons. Il élève ses propres pigeons. Ah, voilà. Et tu les élèves pour quoi alors Pour plaisir, j'aime ça. J'aime les voir voler autour de la maison, j'aime les entendre couler, j'aime les manger. C'est très intéressant, les pigeons. Ils sont en liberté? Ah, bien sûr. Et alors, en quoi c'est intéressant? Le pigeon, il vit en couple, il vit en société. Et c'est un animal très intéressant pour ça. Les couples qui se font, si on attrape un pigeon au hasard, on le mange, ça défait un couple. Donc, il y a les petits qui vont dépérir, qui vont mourir. Parce que c'est les deux parents qui nourrissent, par exemple. Ah, c'est pas seulement la mère qui nourrit. Voilà. Et puis, organisation dans le pigeonnier lui-même, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il y a des niveaux. Dans un pigeonnier, donc il y a les dominants qui sont en haut, il y a des hiérarchies bien sûr, ils se disputent à mort pour un territoire dans le pigeonnier, et puis il y a dans un pigeonnier il y a des ouvertures, il y en a qui gardent la porte, qui empêchent par exemple leur femelle de sortir ou de rentrer. Mais comment tu observes ça? T'as mis des caméras? Non, c'est le loft des pigeons. Oui, c'est, il faut s'intéresser, mais il se passe des choses, c'est absolument incroyable ce qui se passe dans un pigeonnier, c'est une vraie société. Eh ben, c'était bien bon, en tout cas. Ouais. Très bon. Plus ça. Les pois chiches, c'était bon. Et pour finir en beauté... Bon, alors les amis, je suis au regret de vous dire que Montpellier ne compte en pas de dessert. Hein. Vous pouvez vous prendre qu'à vous-même. Du coup, je suis allée chez un confiseur. J'ai rapporté quelques confiseries, des guimauves, du chocolat et des grisettes de réglisse dont l'origine remonte dans la région au Moyen-Âge. C'est des
des bonbons à la réglisse. C'est pas vessin roque, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, non, mais c'est dur. Ça, c'est pas vessin roque, ça. C'est réglisse. Oui, oui, il faut pas se tromper. Alors, ça, c'est quoi? Alors, c'est chocolat, pâte d'amande et orange confite. C'est bon, ça. Oh, c'est bon. J'aime bien ce dessert bon bec. La première fois qu'on fait un dessert bon bec. Ben voilà, je crois que plus que jamais, on a prouvé que la cuisine pouvait s'inscrire parmi les arts mineurs et les arts majeurs. C'était avant tout une occasion de se réunir, de rire et puis aussi de se souvenir. Alors rendez-vous pour la prochaine fois et d'ici là, entraînez-vous pour les Magnolias. Un petit peu plus loin, là, sur la droite, il y a la cabane trempée, que ça s'appelle. Hein. La... Alors, si tu les prépares pas, où est-ce que je peux les manger? Alors, si tu les prépares pas, où est-ce que je peux les manger? Ah ben, on peut les manger. Les Magnolias, par centaines. Je ne suis pas très bien l'accent de Clo-Clo. Toto.